Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode 2 Elite Dangerous Horizon. Donc chers amis, comme prévu dans le précédent, on va aller se faire au bigot. Donc on commence par jeu ouvert, hein, classique, avec notre ASP Explorer qui fera des sauts normalement de géants, des petits bonds de géants. Donc ça va être intéressant. Si je dis petits bonds de géants, c'est parce que si on prend du de la cargaison tout simplement, nous ferons des sauts donc un peu moins grands dû au poids que nous transporterons. Alors, tableau d'affichage et on commence la récolte des quêtes, chers amis. J'espère que ce sera rentable. La dernière fois, on n'avait pas beaucoup de chance, oui, effectivement. 3 heures, donc ça c'est bon, on peut la faire. J'ai l'impression que ça va pas être aussi rentable qu'avant, hein. Hop. Pourquoi pas. Transporteur de données. Si ça ne l'est pas, écoutez, ce sera qu'un vaisseau dans le vent. Hein. C'est un vaisseau qui m'aura coûté cher. Mais qui n'aura pas été si utile que ça. Hein. Ok. Alors là, on vient de prendre 68 unités de carburant, ce qui est gigantesque compte tenu du... Hop. Que c'est la première zone qu'on fait. Bon, pourquoi pas. Sauvegarder, revenir au menu principal. Oui. On va faire pareil. Commencer. Groupe privé. Celui avec Nicolas, hein. Encore un grand merci à toi Nico. Hop. Et pareil, on reprend les nouvelles missions. Hop. Voilà. C'est pas épique, hein. C'est pas épique du tout, chers amis, hein. Je pense que c'est un échec, hein. Ce sera un échec. Je pense qu'ils ont bien nerf, en fait. Enfin bon, on verra bien. Hein. On verra bien le moment venu. Sinon, on partira faire du combat avec notre Python. Tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Hop. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Crac. Hop. Solo en ligne, et nous voilà partis pour la dernière partie, entre guillemets. De cette récolte de quêtes. On va appeler ça comme ça. Alors, crac, ça je prends. Je prends aussi. Là, c'est littéralement du saut, du saut, du saut et du saut. Ça va pas être très très rentable, ni très très intéressant. Bah, écoutez, on est 1% de commerce. On va voir si on peut faire mieux. Sinon, on verra ce qu'on peut faire. Hein. C'est pas grave. Ok, donc, chers amis, carte de la galaxie. Et vous allez voir, là, ça commence à être rigolo, ce qui se passe sur la carte. Hop. Eh bien, écoutez, commençons par celui-là. On fera ça, ça, tout ça, et on reviendra là. Parce que vous voyez, ça, ça, tout ça, et on reviendra comme ça. Ok, qu'est-ce que c'est par là? Pourquoi ça charge pas? Pourquoi tu ne charges pas? Ah, c'est parce que j'ai pas les bonnes... Ouais, voilà. Hop. Pai Young. Eh ben écoute, c'est là qu'on va.
Ok, c'est parti. Combien de sauts? Une dizaine? Ah, une quinzaine quand même. Il y a loin. Il y a loin en soi. Pourquoi pas? Allons-y. Hop. Donc on va essayer de faire 5 sauts. On fait un plein, on fait un 5 sauts, on fait un plein. On va essayer de se dépatouiller comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Ship released. Engines engaged. Ok. Hop, parfait, ça fonctionne. Tout fonctionne. Train d'atterrissage. Et on part. Hop. Oui, je suis pressé de partir. Nous sommes à 13 000. Donc alors, chers amis, on fait quand même le point. 13 millions, 1% rend entrepreneur. C'est parti. On verra bien. On verra bien. Si c'est pas efficace, eh bien écoutez, on trouvera autre chose à faire. Que ce soit du site d'extraction. On enchaîne. Et on fera avec ça de quoi se faire suffisamment d'argent, passer un vaisseau plus imposant en niveau commerce. Hop. Crac. Pas de panique, je suis à votre recherche pour discuter, mais bien sûr, appelle-moi con. Hop. Je suis en train de regarder le prix du Lacon type 9, chers amis. 76 000 crédits. Ça pourrait être intéressant aussi. Il faudra compter 100 millions de crédits si on veut se l'acheter. Ce qui est assez énorme, reconnaissons-le. Suivez mon sillage, on en profitera pour discuter, mais bien sûr. Va te faire foutre. Oui, je parle à Nia, et alors? Je suis en solo en ligne. Techniquement, je devrais pas avoir de problème. Mais bon. Ok. Fuel scooping. Ah, ils insistent, hein. Hop. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Ok. 4, 3, 2, 1, engage. Faut compter 85 millions pour un... Attendez. J'irai rechercher ça une autre fois. Pas avec vous, parce que sinon je vais pas m'en sortir. J'irai voir ce que je peux trouver de plus intéressant. Hop. Une autre fois. Il faut compter... De toute façon, on n'a pas l'argent. On n'est pas prêt d'avoir l'argent. Sauf en vendant à tout péter le piton, mais c'est pas la peine d'y penser. C'est pas la peine d'y penser. Mais enfin bon, avec les lives, je en ferai peut-être un petit peu plus. Et du coup, je reprendrai peut-être le combat sérieux, chers amis. Peut-être même en groupe, hein, qui sait. On verra bien. Donc vous voyez, là je suis à la troisième vidéo de la journée, ce qui fait que j'aurais tourné le quota en fait de la journée, parce qu'on a 3 vidéos par jour en ce moment. Donc du coup moi ça va me laisser le temps de monter et le temps de faire le montage, et préparer une petite vidéo d'annonce live en fait que je mettrai quand je liverai. Ça ne dira pas sur quoi je liverai, hein, parce que je ne saurais pas moi-même sur quoi je jouerai, mais bon. Hop, on va essayer de faire le plein ici. Hop.
Oui, je suis ton sillage, t'inquiète pas. Ah, je pense je doute qu'on fasse le plein, mais. Warning, temperature critical. Une fois qu'on aura dépassé les 88, je me barrerai. Ah bon bah, on a 87 donc je me barre. Hop. Voilà. Parfait. Et c'est parti. Frameshift drive charging. Hop. Chers amis, j'ai aussi autre chose à vous dire. Suivant ce que fera la chaîne, malheureusement ça tombera au moment où j'aurai l'intention d'acheter un nouveau serveur pour la chaîne, en tout cas de renouveler au tout côté chez OMGCR, mais je pense pas que ce sera du renouvellement. Ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo Starbound. J'aimerais peut-être voir ce que ça donnera au niveau de du SteamVR, donc le HTC Vive hein, si je me trompe pas. Pour voir si je peux pas vous proposer une série plus immersive grâce à cet appareil. Qu'est-ce que j'entends par plus immersive? Pourquoi je parle d'immersion? Bah simplement le HTC Vive permettra donc à moi, pilote entre guillemets dans les Dangerous, de tourner la tête, ce qui pourrait être beaucoup plus immersif pour vous si j'arrive à être dynamique. Dans un combat, imaginons, où je regarderai partout pour trouver mon adversaire. Donc, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ça, on verra le moment venu. Ça coûte un appareil qui coûte extrêmement cher, hein, malheureusement. Bon, moins cher que l'Oculus. Hein. Mais voilà. À l'heure actuelle, c'est une idée que j'ai en tête qui me plairait beaucoup. Maintenant, il faudrait voir comment je pourrais la réaliser au niveau du tournage. Comment ça se passe au niveau du tournage? Ok, donc là, malheureusement, je ne peux pas faire le plein. Frameshift drive. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, chers amis. Hop, parce qu'on voyait que le plein descend. Enfin, le carburant descend. Hop, voilà. Donc voilà pour la petite information que je voulais vous passer. Moi, j'y réfléchis beaucoup en ce moment. Pourquoi j'y réfléchis? Parce que de toute façon, j'avais l'intention, vous savez, de m'acheter un... J'avais l'intention de l'acheter en occasion, j'ai du mal à en trouver, donc je me renseigne un peu à droite à gauche pour voir si je peux trouver des promos à ce sujet-là. Un gamepad, vous savez, à côté, donc donc de chez Razer, un Orb Weaver, pour compléter un petit peu le setup. Il est fonctionnel là, j'ai pas vu le... Voilà, ils sont nombreux là. Là, ils sont tous au taquet. Bon alors, il est où le soleil, nom de Dieu? Eh mais, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est supposé être? Il est là, hop. Apparemment il donne en aucun cas de carburant. Bon ben, tant pis. Ça pue un peu du cul, chers amis, parce que tant qu'on reste dans l'école 285 secteur IJ machin là, on risque de tomber sur des soleils rouges à chaque fois. Enfin, des soleils qui ne donneront pas de carburant. Et j'aime pas ça. Oh, je suis pas si mal aligné. Ça, je vois rien. Hop. Alors, voilà, c'est pas bon non plus ça. Merde, j'ai pas laissé appuyer jusqu'au bout. Carte du système, on va aller voir s'il n'y a pas un truc à acheter, une carte du système à acheter, parce que là, faut qu'on voit si on n'a pas du carburant. C'est impératif. Non. Non, non, non. Alors là, c'est catastrophique. Bon, c'est pas grave, on saute. Frameshift drive charging. Avec un peu de chance. Je préfère pas regarder personnellement avant de sauter, mais enfin bon. Je devrais peut-être. Ah ! J'ai les boules !
Naine brune, type spectral, elle. Pourquoi ça... Pourquoi ça ne m'affiche rien, en fait? D'accord. Type spectral T, je ne sais plus. Je sais plus. Bon, allez, je tente. Non. Non, chers amis, les T sont pas je vais péter une durite. Les T sont pas sont pas, comment ça s'appelle, mince. Alors. Obav Gungm. Là non plus. Oh putain. Il n'y en a pas une seule autour de moi, c'est pas possible. Oh baf. Normalement, c'est bon ça. Est-ce que je peux sauter là? Oui, je peux. Ok. À shipper quelque chose? Peut-être que dans la shipper, je pourrais déjà. Excusez-moi. Oh la vache. Bon. On a failli tomber en panne de carburant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Des pirates? Non. Non, des pirates, non. Je pense que je vous ferai une ellipse pour le plein, par contre, parce que ça risque de durer 3 minutes. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Tant qu'on survit. Voilà, déjà, ça va m'aider, je pense. Voilà. Hop. Non, t'inquiète. Hop, voilà. Cependant, maintenant, carte de la galaxie. Faut que je retourne là où je suis censé avoir une quête. Hop. Et alors? Eh, me dis pas que je peux plus y aller maintenant. Voilà, merci. Hop. Pendant ce temps-là, nous, on fait le plein. Ellipse, chers amis. Là, chers amis, on est bon. On repart. Allez, c'est parti. Allons nous faire un petit peu d'argent. 3 minutes plus tard... Hop, c'est parti. On repart. Crac. Hop, de toute façon, il nous reste quoi, 5 sauts? 5 sauts à faire. On aura frôlé un petit peu avec la catastrophe, mais c'est ce qui fait le sel du jeu, comme dirait l'autre. Ah là là. Hop. Alors... franchement, j'estime qu'on sera à peu près à... je dirais à 16 millions maximum, 16 millions 5 maximum de bénéfices, donc 3 millions de bénéfices, ce qui est clairement pas suffisant. Ok, et en plus on se fait intercepter comme un malade par un sauvage. Ok. On va bien rattraper le coup, voilà, merci. Oh la vache! Ah, j'ai mon pad qui a tourné en même temps, mon joystick qui a tourné en même temps. Je suis désolé, là je suis censé l'avoir. Hein. J'ai 2 bleus sur 3. Oh! Alors là, je suis pas d'accord du tout. Franchement, je suis pas d'accord du tout. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Ah, puis j'ai pas pouvoir m'en sortir. Ok, donc plein de puissance dans les systèmes. On a des petits boucliers, malheureusement. Il
faut que je désélectionne. Hop. Allez, bourre. Faut que je change de route. Parce qu'il était derrière le soleil, du coup je pouvais pas le voir. Ah, c'est génial. Allez. Oh, forcément, température à 100%. Pourquoi? Parce qu'on est trop près du soleil, bah putain. Et le mec derrière moi, il grille pas. Enfin bon, c'est pas grave. Je me fais agresser au moment où j'arrive, ce qui est pratiquement impossible normalement, hein, soyons honnêtes. Hein. En plus, j'ai aucune chance de sortir de l'interdiction. Pourquoi? Aucune raison. Alors, il faut que je retourne sur mon trajet de base. Hop, voilà, merci. Crac. Oh putain. C'est chiant quand dans un jeu où dans le monde tu prônes la liberté, t'as des choses comme ça qui sont obligatoires entre guillemets. Bon, enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors j'aimerais juste repousser un peu le micro, voilà. Je puisse atteindre le joystick. C'est le bordel sur le bureau. Enfin, c'est pas que c'est le bordel, c'est que je peux pas faire mieux. J'ai le volant sous les yeux. Parce que de toute façon, je vais ressortir le. Enfin, le volant va sortir dans des jeux de course. Sans doute en live. Donc, ça, c'est la petite information. J'ai le pad, j'ai le micro, j'ai le bordel. Encore que le micro est sur pied. Hop. Oui. L'avantage c'est qu'on va se faire des sous en revente de commandes d'informations. Ça c'est pas mal. On va se faire quelques crédits comme ça. Mais enfin bon. 4, 3, 2, 1, engage. Oh! Alors, oula, ça va être tout noir dans ce coin. Crac. Parfait. Hop, la suite. On progresse avant de se faire littéralement alpaguer. Alors. Four, three, two, one, engage. Oh! Ça c'est fait! Et pas salsifie, hein! C'était naze, je suis désolé, c'était complètement naze! Oh là là, ça va plus dans ma tête! Timmy! Oula, on est combien dans ma tête? Timmy! Timmy! Alors. Hop, on est parti! Oh, j'espère qu'on va se faire quelques millions quand même. Je les sens pas. Soyons honnêtes, je le sens pas. 4, 3, 2, 1. Ah bah ça y est, on arrive, Payung. On est arrivé. On est arrivé. Génial. Ok. Donc. Attendez, normalement je crois que si je fais ça. Carte du système. Voilà. Ça va être plus rapide. Crac. Verrouille destination. Et on est bon. Hop. Oui, bien sûr, on va aller discuter. T'inquiète pas, j'ai bien compris. Oh 11, 12. Ah, blablabla. Bon bah, ellipse. A tout de suite. Ok, je viens de me faire combo interdire. Deux fois de suite, j'ai même pas le temps d'appuyer sur le bouton de tournage. Wouh! C'est la fête!
Bon. Bon, 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 bah tout de suite alors. C'était violent. Là, c'était vraiment violent. Voilà, on arrive, chers amis. Alors, au passage, je viens d'aller voir pour un transport type 7, un Lacon type 7. Hein. Donc, nous, on a un T6 pour l'instant, je crois, hein, si je me trompe pas. Il coûterait 25 millions à l'achat. Je sais pas. Cargaison de 208 tonnes. Si je fais 1000 par cargaison, ça me fait 200 000. 208 000, c'est pas épique. Hein. C'est pas épique. Ah non, j'imagine que c'est les missions qui me rapporteront le plus. J'imagine que c'est les missions qui me rapporteront le plus. Ouais, ouais, ouais. C'est donc à voir. Hein. C'est donc à voir. Ouais. Faudra que je me renseigne. Il faudra. Alors. Attention. Hop, c'est bon. Wouh! Eh ben, si c'est long comme ça à chaque fois qu'on va déposer quelque chose, on n'est pas dans le caca. Docking request granted. Hop, parfait, je t'en prie, vas-y. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller gérer la prochaine livraison. Ça passera donc ici. Ok. Il y aura donc quelques sauts à réaliser. Mais bon. Je sens qu'on va pas se faire des masses d'argent, ça me désole un petit peu. Parce que je vous fais un tuto, c'est pour que vous sachiez comment faire d'un maximum de pognon et c'est pas le cas. Donc je ne sais pas. Yo no sé pas. Landing gear deployed. Ok. Docking successful. Entrée dans le hangar, service de spatioport. Hop. Faire le plein, réparer. Table d'affichage. Hop. 205 000. Parfait. Et décollage. C'est reparti. On y retourne. Voilà l'utilité en fait de l'ordinateur d'appontage. Hein. Programmer la prochaine route. Alors. Et c'est la suite. Ship released. Engines engaged. Ok. C'est parti. Hop. Il y a un vaisseau juste derrière moi, je crois, en fait. Ok, lui, il passe devant, l'air de rien. Landing gear retracted. Ok, on booste. Hop, c'est parti. Crac. Et on repart, donc, finalement. Allez. C'est parti. Ouais, je doute que ce soit extrêmement rentable.
Et ça m'embête, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Entre la partie de Robocraft que j'ai tournée juste avant, qui était chiante, et ça qui est pas aussi efficace que ce que j'avais promis et ce que je pensais, même pour moi. Hein. C'est une certaine déception. Mais enfin. Ok. Frameshift drive charging. Oh. Ready to engage. J'aurais pu. J'aurais tellement pu, j'aurais tellement dû aussi, nom de Dieu. Allez, lâche-moi. Hop. C'est parti. Engage. J'allais voir les routes rentables. Excusez-moi. Hop. Carte du système. Enfin, s'il veut bien me l'ouvrir. Voilà, merci. C'est parti. Ah cool, elle est pas trop loin. Hop. Je suis en train de chercher une loop route. Ah merde, j'ai loupé, chers amis, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Je suis en train de voir une loop route pour voir la qualité du marchandage. À faire de faire le marchand, simplement. De revendre et d'acheter dans une boucle, hein, simplement. Hein. Et effectivement. Voilà. On approche lente. Ne dites pas que je l'ai encore loupé. Hop, on est bon de toute façon, on est dedans, c'est parfait. Crac, voilà. Quand même des profits d'environ 400 000 crédits à se faire. Hein. Ce qui n'est pas complètement inintéressant. Docking request granted. Scan detected. Non, je suis en train de regarder s'il n'y avait pas mieux, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup mieux.
C'est vraiment dommage. Prochaine planète. Landing gear deployed. LHS 1541. Docking successful. Hop, c'est parti. Engines disengaged. Ouais, c'est pas... Tu dépends du... Ouais, tout dépend du temps en fait entre les deux quoi. Parce que si c'est 400 000 tout le quart d'heure, tous les quarts d'heure c'est rentable. Et encore, non même pas, c'est pas si rentable que ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas, yo no sé, chers amis, yo no sé. Alors. Hop. 150 000 crédits supplémentaires, hop. Pourquoi pas. C'est parti. On repart. Ouais, c'est pas... C'est pas simple de se faire de l'argent. On va s'arrêter là, ça sera pas trop mal. On va dire ça comme ça. Deux sauts. Hop. Nous voilà passé, boost, et on part. Hop. Ouais. Grosse déception, hein, chers amis, hein. Grosse déception. C'est plus rentable. Enfin, sauf pour ceux qui acceptent de faire des missions de... Des missions, entre guillemets, illégales. Hein. Si vous acceptez de faire des missions illégales, c'est encore rentable. On a vu des missions tout à l'heure à 1 500 000, à 2 millions. C'est encore intéressant. Malheureusement, pour mon point de vue à moi, c'est pas... Ça me semble pas intéressant. Bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Que je gagne du fric. Enfin bon, c'est pas comme ça que j'en gagnerai moi. Warning, temperature critical. Warning, temperature critical. Oh, ce jeu est d'une puterie de temps en temps. Une putasserie, comme dirait d'autres. Et mon interface, c'est possible de la voir ou pas? Non, pas du tout. Ça y est. Ok. C'est génial. Donc 15:41, faudra que ce soit. À Pennington, c'est là qu'on va se faire 1,2 million. Hop. Bon. Question. Et que des récompenses, des récompenses, des récompenses, des récompenses, des récompenses, des récompenses. Vous savez quoi, on va les abandonner. Parce que je trouve pas ça rentable. Je trouve pas ça rentable. Cannot comply. Hop. Frameshift drive charging. Alors pas rentable du tout. On va apporter celle-ci. Et ensuite on partira faire autre chose dans un prochain épisode. Voilà. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Warning, taking heat damage. Si j'augmente. Warning, temperature critical. Si j'augmente la capacité de saut, est-ce que je gagne quelque chose? Pennington, elle va être à Shy encore. Je l'ai pas vu. Merde.
Merde. J'ai bien vu Pennington en tant que nom. Pennington City. Oh putain, c'est une ville au sol. Non. Non, tu me ferais pas ça. Non, c'est bon. Je l'avais pas vu, c'est tout. Je suis juste bigleux. C'est pas grave. Grosse déception, chers amis. Enfin bon, si ça peut en aider certains pour commencer un petit peu, je serais ravi que ça vous aide. Hein. Ah, il y a peut-être un truc intéressant. Enfin bon, ça nous faut du 300 000 par voyage. Par aller-retour. Oh! Pourriture de rebelles! Regardez ça! Vous avez vu le temps que je suis resté dans le truc? Et le peu que ça m'a rapporté? Ah, ça y est, ça rapporte un petit peu là. Il y a un lag en fait, une espèce. Oh bah. Oh bon, quand je mets. Là, puis en plus j'ai mon joystick qui se lève. Vous devez l'entendre. Gars! Ah bah non, c'est raté. Hop. Soumission. Hop. Quoi? Mais je me suis soumis. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh là 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 là. On va pas se faire défoncer si près du but. Je refuse de me faire défoncer. Quoi? Mais le mec, c'est un malade! Allez! Frameshift drive charging. Allez! Frameshift drive charging. Hop, c'est bon. Ouh. Eh B. Engage. On est vraiment là. À deux doigts de se faire violer. Hein. Pourquoi il esquive? Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il a touché alors du coup? J'ai l'impression de rien y voir. Ok, c'est pas grave. Calmos. Oh, pourquoi décélérer? Non! Non! Tu ne m'auras pas, sac à caca! Sac à caca! Une fois, pas deux! Bon, mais what? C'est quoi cette maniabilité de vaisseau? Et il me nargue. Soumission, c'est pas grave. Faudrait être un peu plus rapide à recharger. T'as qu'à raison, donne-la moi et vite. Mais bien sûr. Tes fesses, donne-les moi et vite. A partir d'aujourd'hui, tu seras un mannequin fesse. Fuite. C'est rapide au moins à fuir. La mission approche. Est-ce que le missile passera en FSD? Toute la question est là. Ce serait pute. Tellement pute un missile qui puisse passer en FSD. Je savais que je finirais par te trouver. Sympa la cargaison. Oui, bah va te faire foutre. C'est le peu de millions que je vais me faire sur cet épisode. Tu pourrais me les laisser s'il te plaît. Hein, merci. Ok, en douceur. En douceur, en douceur, en douceur. On peut pas aller beaucoup plus vite en même temps, hein. Putain! Ça
C'est parti. Je bourre les kilomètres-heure, hein, c'est pas grave. Hein. Hop, c'est bon. On y va. Pleine puissance, monsieur Zulu. On entre dans la zone neutre, c'est bon. Hop. Voilà. Bon, bah, on n'aura pas fait grand-chose. Hein. Donc, c'est pas la meilleure des façons de faire du fric au final, hein, chers amis. Hein. Enfin, en tout cas, si vous voulez rester dans la légalité la plus totale, c'était pas la meilleure façon du tout. Si vous êtes un pro de l'infiltration, par contre, vous pouvez le faire sans aucun problème. Hein. Là, vous allez vous faire de l'argent. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Au niveau infiltration, je suis pas le meilleur. Mais alors, pas du tout. Je suis plus du genre à bourrer, en fait, que... qu'autre chose. J'y pensais l'autre jour. Ce qu'il faudrait, en fait, qu'ils rajoutent à ce jeu, c'est un faux ordinateur de bord, en fait. Une fausse information de soute. Tout simplement. Et genre, vous le mettez, on le met extrêmement cher et qu'il ne puisse être mis que sur une... ou genre qu'il en faille autant que vous avez de trucs de cargaison. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si vous avez 5 cargoracks, enfin, si vous avez 3 cargoracks, il vous faudra 3 ordinateurs de soute. J'ai le mot en anglais, mais il faut que je trouve le mot en français. De cache de soute. De dissimulation, voilà. Dissimulation. Donc on entre dans l'hangar, on va récupérer quand même nos 1,2 million. Hop. Faire le plein. Crac. Pas rentable, hein. Franchement pas rentable, chers amis. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à nettement mieux. Faut faire. D'accord, bah non, pas intéressant. Bon. Est-ce qu'on est passé au moins à 2% à droite? Oui, on est passé à 2% pour 1 million. Génial. Putain. Génial. Bion. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure dans Et Dangerous, ou avec si possible moins de déception, parce que là je suis quand même pas très content de mon épisode, à vrai dire. Allez, salut les gens. Je vais juste regarder quand même un passage avec vous. Hop. Où est mon piton? Je crois que c'est pas ici qu'on va le voir. Peut-être dans le service de spatioport. Chantier naval. Voilà. Mon piton est à 40 années-lumière. Bon, il est pas très loin. Bon, à savoir. Allez, salut les gens.